Bonjour, c'est Grégor, la compagnie Magicars, avec un nouveau tuto d'initiation jonglerie avec les balles à jongler. Alors ici, nous allons voir les colonnes, évidemment, que l'on peut exercer. Avec la main droite ou avec la main gauche. Alors comment réussir cette figure? Eh bien tout simplement, je vais d'abord lancer une balle en colonne pour le prolongement de mon corps, ici. Et l'autre balle, tout simplement, petit mouvement ici, qui va couper mon corps de manière transversale en deux parties. Hop. Et cette deuxième balle va passer juste devant mon donc la ligne qui part du nombril jusqu'au bout et puis retourner. Et donc ça va donner 1, 2. Ensuite, pour pouvoir s'exercer, il va falloir faire 1, 2. Pendant que tu lances la première balle, tu lances la deuxième et tu rattrapes la première. Et ensuite, eh bien, il te reste à continuer à la demander 1, 2, 3, 4. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. 6. Quand tu y arriveras, eh bien, tu pourras faire une toute petite variante qui sera tout simplement celle-ci, qui sera de faire une petite rotation avec la main. Et ça va te donner ceci. Je vais démarrer du milieu. Hop. Et toujours, je vais lancer les balles hop, au milieu. En faisant évidemment mon petit mouvement de rotation, comme ceci. Je lance la balle. Elle va partir. Hop, elle va partir. J'exagère évidemment le mouvement, donc ça va donner ceci. J'exagère, je lance un petit peu plus haut, et puis quand j'arrive évidemment à la normale, eh bien je m'exerce à faire le mouvement un petit peu plus bas. C'était donc Grégor avec un nouveau numéro, un nouvel exercice de jonglerie avec les balles, avec deux balles plus exactement, et on se retrouve lors du prochain tuto avec une initiation de manipulation à 3 balles. Et oui, il faudra mettre les bouchées doubles et surtout t'entraîner. Et surtout, n'oublie pas, comme pour le diabolo, à répéter toutes les figures de base. Bon après-midi à toi, bonne journée et bon appétit si tu passes à table, tout simplement. Ciao, ciao.